Coucou, c'est Sarah Frézou sur MCE. Le problème de Elodie, c'est qu'on était sortis. Bon, on avait fait un after avant dans le salon de coiffure à un ami à nous qui s'est Yoni. Et on était tous ensemble au final, mais il n'y avait pas Elodie, elle faisait pas partie du groupe du tout, la fille. Et moi, j'avais appelé la boîte de nuit qui a Joy qui était sur l'émission avec moi pour réserver ma table avec mes trucs et tout. Et au final, quand j'arrive dans la boîte de nuit, je vois la fille, elle est installée à ma table avec mes bouteilles et elle est passée sur mon prénom. Et en plus de ça, ça ose me dire clochard, mais pardon. Donc pour le coup, j'ai enlevé les bouteilles de la table et je lui fais une petite ficha bien méritée. Donc non, je pense qu'elle le méritait. À un moment donné, Elodie, elle nous tape sur le système nerveux, qu'elle se prenne pour une diva en sachant qu'en sortant de Secret Story, elle a rien fait d'autre. Et je trouve ça déplacé de dire que. Madame voulait qu'à sa table que la production de TF1 et qu'elle traînait pas avec les gens de W9. Donc excuse-moi copine, en attendant t'as fait TF1, t'es même pas restée une semaine, t'as sauté et voilà. C'est genre en plus plein de trucs que j'avais remarqué avant, donc après moi j'avais rien contre elle. Hein. Mais même le jour où j'avais fait le mag, la meuf elle montre une gamme de sous-vêtements qui n'est même pas la sienne et qui se dit créatrice de sous-vêtements. Il faut arrêter à un moment donné.